vois, bim. Ouais, ok. Tu commences à me saouler un petit peu, hein. Je veux pas la calculette. Ok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, pas trop. Non, si, ça va très bien, juste... Bah, en fait, ça fait... Je viens de me rendre compte au bout de 5 minutes de tournage que, en fait, bah, mon ordi n'enregistrait pas le jeu, mais enregistrait un écran noir. T'en fous, du boucan, les voisins. Oh, on est où, là, les refs? Ah, ça doit être... Ouais, je suis prise. J'ai mis ma caméra au plus gros, quoi. Hop là, je fais mes... Du coup, j'avais un petit peu le seum. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la mage d'aujourd'hui. Je vais vous la lire. Je vais vous mettre l'écran en arrière-plan. Parce que la dernière fois, je vous ai juste lu la mage et je vous ai rien mis derrière. C'était vraiment nul. Alors, la première chose qu'il y a, c'est qu'il y a Snowball, alias Blanc-Neige, qui est sorti dans le village des Verts. C'est un compagnon qui est disponible pour 350 stars, quoi. C'est cher, mais on a eu plus cher, donc je me dis, ça passe. Surtout que c'est limité et tout, donc ça... On a une alerte enlèvement, donc ça, c'est une mission qu'on aura de temps en temps, enfin, qu'on aura tous les jours, et c'est les bébés renards qui ont été kidnappés par les elfes d'hiver. Ils sont tarés, ceux-là, hein. Monte l'animal de ton choix pour attraper les 4 ans et libérer les bébés renards. Mais attention, ça glisse. Donc, pareil, comme dit, on pourra monter les petits animaux sauvages, ça, on ira voir après. On a le retour de la course du village d'hiver, ça c'est trop cool parce qu'elle est trop bien, et on a le pack de saison, donc ça c'est un nouvel équipement qui est disponible au village d'hiver, donc on va aller faire tout ça. Attendez, je regarde si mon jeu filme encore, ouais, ça a l'air bon là. Ah, je sais pas où mettre ce micro, c'est horrible. Bon. Mais ils sont trop chou. Il y a toute une colonie, oh je veux ça. Parle avec les animaux du ranger, tu aimerais en savoir plus, grrr. Qu'est-ce qui se passe, Ursine? Les elfes essayent encore de kidnapper les petits renards polaires. Ils sont trop mignons. Calme-toi, mon ref. Oh non, c'est reparti, les elfes deviennent complètement dingues. Putain, ton chapeau, il a paru avant toi, mec, c'est chaud. À la vue des bébés renards polaires, ils les trouvent tellement mignons qu'ils ne résistent pas à l'envie de les kidnapper, les pauvres petits, afin de les garder rien que pour eux. Faut à tout prix les ramener. Qu'y a-t-il, Fal? Tu veux te rendre utile? Alicia, les animaux t'invitent à monter sur leur dos pour mener à bien ta mission de sauvetage. Grâce à eux, lance-toi à la poursuite des kidnappeurs. Ok, alors c'est parti, on va monter lui là, il avait l'air drôle. Non, oh putain, je l'ai renversé. C'est un peu violent votre technique quand même. C'est n'importe quoi, c'est la zizanie dans ce village. Hein. Il y a des ours partout là, il y a des bambis qui sont une bataille. Oh, il faut que j'ouvre les cadeaux. Attendez, on va quand même faire la mission. Putain, à chaque fois je me perds dans trop de choses, je veux trop commencer plein de trucs. Et je les finis jamais. Ah, mais il y a des ours partout, ils viennent de droite à gauche. Ah, on peut se transformer. Merci beaucoup, regarde, ils ont retrouvé leurs parents. Je crois que les animaux ont des choses à te dire, tu devrais aller leur parler. Bonjour. Profite des festivités hivernales avec ton nouveau compagnon en quatre pattes. Et ben voilà, je me plaignais et j'ai un ours. Donc on va maintenant ouvrir les cadeaux. Donc si vous voulez voir les 8 premiers cadeaux du calendrier de l'Avent, c'est dans la vidéo de la semaine dernière. En fait, chaque semaine, bah, je vais ouvrir les cadeaux. Donc il y a du 1 au 8, du 9 au... On est combien? Du 9 au 14. Du 14 au 21, un truc comme ça. Et après, bah, ça sera fini, quoi. Donc j'ouvrirai à part. Alors, du 9 au 14, on a la robe tripaxel. Oh, je rigole, mais elle est belle. Regardez, attendez, non, faut que j'arrête de critiquer. Hein. Elle est vraiment trop cute. Alors, en 10, tapis de sel, fausse fourrure. Oh là 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 là. Oh non, mais du coup, je peux pas le tester. Oh non. Oh. Oh, vite. Vite, charge. Charge. Oh. Mais j'ai compris, les amis. J'ai tout compris. Tout fait sens. Il est 17h17. Il charge pas. S'il te plaît. Charge. J'ai compris pourquoi il charge, pourquoi il buguait autant. Mon ordi, c'est parce qu'il chargeait pas. Je suis dans douille. Regardez comme ça bug plus du tout. Mais je suis trop bête. C'est pour ça que ça buguait autant. Non. Bon, du coup, je disais que le tapis est incroyable. Genre, vraiment, il est trop trop beau. C'est un truc de ouf. C'est le genre de tapis, c'est dans l'année, les gens ils disent: tu l'as acheté où? Je l'ai eu à l'événement de Noël. Oh, oh, bonjour, pardon. Tu faisais une photo discrète, ça les a achetés, vu? T'es cramé pendant que je galérais, moi, avec mon chargeur. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai cramé, ma très chère. J'étais en pleine galère et toi, tu faisais une photo discrétose, quoi. Bon, allez. 12, du XP. On prend, allez. Le 13, du XP cheval, on prend. Regardez, Alpha, il est niveau 2. Salut. Attendez. Oh là là là, je sais plus écrire. Ah, le 14. Leggings, bonhomme de neige, bleu et rose. Enfin, il y a du bleu et rose. Ouf, oulala, ils nous ont fait quoi, là? Oh là 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 là, c'est quoi ça? Ça veut dire que tout le début de la vidéo, vous allez totalement
voir des trucs buggés. Est-ce que c'est la galère vous aussi? Parce que moi j'ai le chauffage à 12 et je me les caille. Alors je sais même pas ceux qui ont pas... L'armée de biche. Elle est où l'armée de biche? Elle était trop mignonne. Elle est là-bas. Oh, je suis fan. Attendez. Hop. Regardez. Oh, je fais une vidéo de vous les biches. Oui, on... attendez. Voilà, j'ai fait une vidéo de vos fesses. Hop là. Attendez, mais il y a Elsa qui me parle. Je peux pas partir. Non, les biches. Au revoir. Je voulais trop leur faire une petite vidéo mignonne, mais bon, du coup, ça allait un peu trop vite pour moi. Du coup, on a fait l'essentiel. On va aller faire, du coup, maintenant la course. Je sais juste pas. Enfin, je vais peut-être nous remettre normal, déjà. Alors, de ce pas, nous allons faire la course. Oh là là, mais regardez comme ça bug plus du tout. Mais c'est un truc de fou. Comment j'ai pu être si bête? Je suis trop deg. Non, franchement, je suis deg. Parce que du coup, franchement, c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. On y va, on fonce. Allez, c'est y part. Hop là. Bon, cette course, on la coco maintenant, hein, avec le temps. À moins qu'ils aient fait des changements, mais je pense pas. Oh là là. Et c'est 10 fois plus agréable pour moi de jouer aussi, genre vraiment. Mais ça va, ça buguait pas tant que ça, en vrai. Genre, ça aurait pu être large pire. Après, je sais pas comment ça va apparaître sur votre écran, mais... Oh, le... Oh non, 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 non. Faut que j'arrête de dormir. Hein. Il est plus 5h du matin. Non, mais il est pas très visible, hein. Je suis un peu aveugle aussi, il va falloir que je m'achète des lunettes. Et ce traîneau, par contre, il est piégeur. Faut que je fasse vraiment très très attention. Oh, j'adore voler au-dessus des gens. C'est fou. Je vais être Père Noël. Bon, alors, c'est généralement par là qu'il est un peu... piégeur. Ah, il arrive, il arrive, il arrive. Non, c'est bon, ça va. C'est où? Il y a un endroit. Il y a un endroit où il est vraiment piégeur et c'est dur de pas, pas se le prendre. Oh, ils ont peut-être changé. Ça fait peut-être... Ça... Ouais, ça doit être peut-être, en fait. Bon, allez. Aïe. Tu ne... C'est se prendre l'abstract. Ah, attendez, il faut que je... Voilà, ça fait du bien. Ça fait longtemps. Je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui. Ça m'avait... Même cette année, attendez, encore un. Pour le plaisir? Non, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. L'idée était là. Voilà. C'est sympa de tourner pendant que j'écris un message. Bon, c'est bon, on peut arrêter de tourner là. C'est pas la Java ici. Bon, écoutez, voilà, c'est cool. C'est sympatoche. En fait, ça m'énerve là. Il va y avoir 1% de la vidéo qui est en bonne qualité. On va juste aller se balader avec 2-3 animaux et puis on va arrêter là, je pense. On va prendre celui-là, mais avec des cornes. Comme ça, si je rencontre quelqu'un de mon espèce, eh ben, il va voir ce que je vais lui faire, tu vas voir. Y a quelqu'un qui est en biche. Enfin, c'est plutôt en cerf. Tout le monde m'a délaissé. Oh, faut que je retrouve l'armée de biche là. Je vais leur sauter dessus. Mais ça doit être un délire de ouf quand t'es beaucoup et que vous êtes en biche là. Ils doivent être bien loin depuis le temps. Non. Oh, il y a un petit chemin. J'avais pas vu. C'est cute. Mais vraiment, je redécouvre le truc. Hein. C'est ouf. Oh là 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 là. Ils sont au chaud les petits renards. Alors que c'est quand même des renards polaires qui n'ont pas forcément besoin de s'abriter. Enfin, qui n'ont pas besoin de feu, je pense. Putain, mais ils sont mes potos bibiches là. Pourtant, ils sont en bande. Donc tu devrais les voir de loin, tu sais. Ou entendre des échos en mode niou niou. Non, bon, écoutez, je crois que je les ai perdus à tout jamais. Les amis? Les amis, les bambis, où vous êtes? Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Je vais retourner à l'entrée, parce que c'est un peu long. Je tiens à vous dire, c'est un peu long de se balader comme ça. Oh, je suis allée hyper vite, je suis déjà là. Bon, alors, je vais m'acheter le Dulbok et je vais le tester, parce que je l'ai trouvé incroyable, genre vraiment, quand je l'ai vu. Je te veux, viens avec moi. Voilà. Alors que je pourrais m'acheter des équipements, mais ça, vous inquiétez pas. C'était bien sympa de s'amuser comme ça, mais... Ah oui, mais moi, je vais acheter aussi... Attendez, il faut que j'achète... Il est où, le compagnon, là? Il doit être là où il y a les compagnons. Faut que je m'achète le petit compagnon machin là. Qui lui pour le coup est payant avec des Star Coins, mais pas grave parce que franchement il est trop beau. Il est trop mignon. Donc on a un Dulbok. Alors attendez, j'ai pas une sacoche ici. Trop mignon en blanc et je vais acheter du coup le petit elf. Qui s'appelle Blanc Neige. Alors mon but ça va être de le tester dans la neige parce que j'ai vu qu'il faisait des petites traces et tout, c'était mignon. Mais je crois pas qu'il y a la neige épaisse là maintenant, mais il est minuscule, on dirait un pout-pouit. Vous savez, pour ceux qui ont joué à Paper Mario, la porte millénaire, bah il y a des petits pouit-pouit comme ça. Moi il me fait penser à ça. Alors ça n'a rien à voir, hein. Mais moi il me fait penser à ces pouit-pouit. Je sais pas pourquoi. Je les vois partout ces pouit-pouit. Si, si, il y a la neige un peu épaisse, non? Non, pas du tout. Oh oui, il fait des petites traces. Oh non, mais c'est trop mignon. Pour le coup, ils ont fait un effort de malade de penser aux traces et tout, genre. Bon, bref. Mais du coup, lui, il fait des traces aussi. En fait, tu peux trop faire des œuvres d'art avec lui.
Bah écoutez, voilà, je crois qu'on a fait l'essentiel de cette mise à jour. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée que la plus grosse majorité, déjà le problème technique du début, on va s'en passer, mais qu'en plus la grosse majorité de la vidéo, ben je buguais. Donc voilà, je suis désolée, ça n'arrivera plus, puisque de toute façon, après, je vais retourner avec mon ordi. Donc là, les bugs, il n'y en aura plus du tout, ce sera fini. Fini les bugs, plus du tout. J'espère en tout cas que vous passez de bonnes mises à jour de Noël, que tout se passe bien pour vous. Vraiment, dès que mes partiels sont finis, promis, il y aura plus de vidéos et j'en ai déjà quelques-unes en tête, comme dit, donc ça va se faire. En tout cas, moi, d'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes, une bonne fin de semaine et puis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!